Donc pour cette première vidéo, j'ai eu envie de vous présenter le dernier roman de Fabrice Humbert, paru en 2020 aux éditions Gallimard. Fabrice Humbert est un auteur qui a reçu déjà plusieurs prix littéraires. L'un de ses romans, L'origine de la violence, paru en 2009, a même été adapté au cinéma. Le monde n'existe pas est son huitième roman. Écrit à la première personne, le récit va nous emmener dans une petite ville du Colorado. Le narrateur s'appelle Adam Volman. Il est journaliste au New Yorker. Et il découvre, un jour, en direct sur les écrans géants de Times Square, le visage d'Ethan Shaw, l'ancienne star de son lycée, avec qui il a noué, 20 ans auparavant, une amitié particulière faite d'admiration et de désir. Le bel adolescent qu'il a connu est devenu un fugitif, recherché et haï dans tous les États-Unis. Il est accusé d'avoir violé et assassiné une adolescente de 16 ans. Adam va aussitôt refuser de croire en la culpabilité de son ancien ami. Il décide de retourner dans la petite et triste ville de son enfance, Dresden, afin de l'innocenter. Sur place, il mène son enquête auprès de ses anciens camarades de collège et connaissances de l'époque, tandis que les médias s'emparent du fait divers. Au fil de ses interrogatoires, Adam découvre que les versions contradictoires au sujet du crime se multiplient. Une élève du lycée affirme que la jeune femme assassinée était sa meilleure amie à la télévision, puis jure à Adam n'avoir en réalité jamais entendu parler d'elle. La ville semble tout entière gouvernée par la rumeur et le mensonge. Donc petit à petit, Adam ne parvient plus à démêler le vrai du faux et chaque rencontre lui donne un peu plus l'impression de se heurter à un scénario écrit à l'avance. Quelle est la part de vérité dans le récit des uns et des autres? Ethan est-il coupable? La jeune femme qu'il est censé avoir tuée existe-t-elle vraiment? Donc après une première partie conventionnelle, au ton nostalgique, voire même parfois poétique, l'auteur nous propose une seconde partie plus noire, dans laquelle va régner une ambiance quasiment paranoïaque. Le journaliste, qui doute de la vérité des propos qui lui sont rapportés, en vient à remettre en question l'existence même des personnes qu'il a connues. L'industrie des médias, le complotisme, l'omniprésence des réseaux sociaux, les fake news, imprègnent le récit, tout comme nos existences actuelles. Par leur biais, la frontière entre la fiction et la réalité tend à disparaître. Noyé parmi les informations contradictoires, les mises en scène médiatiques et les témoignages mensongers, le monde semble perdre sa réalité. Et si le monde n'existait pas? S'il n'y avait que des mots, des histoires qu'on nous raconte et des histoires qu'on se raconte à soi-même? Dans ce méli-mélo de données, la vérité semble fuir toujours plus loin. Donc pour vous donner une meilleure idée du style de l'auteur, j'ai sélectionné un petit passage que je vais donc vous lire. Je me suis assis sur le canapé. Je suis restée longtemps immobile. Je prétends que tout ce que nous vivons est un livre ou un film, en tout cas une fiction, recomposée ou non. Le film en cours s'intitulait « Retour à Dresden ». Je logeais dans un décor de film policier. La route qui serpentait dans les montagnes était celle de Shining. Comme dans le film de Kubrick, une caméra dans un hélicoptère avait filmé le trajet de la voiture. Dresden n'existait pas. Le monde n'existe pas. Le monde est une histoire pleine de bruit et de fureur. Donc vous pouvez trouver le livre à la médiathèque, au format papier, mais également le télécharger dans sa version numérique sur notre catalogue en ligne.